Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mercredi. Et je vois que mercredi 11, je vois que vous ne voyez même pas la petite carte. Ah, mercredi 11. Hop, voilà, ça va mieux. Mercredi 11 janvier 2023, je suis ravie de vous retrouver. Alors, le mercredi 11, le 11 est un maître nombre et un maître nombre très puissant. Hein. Intuitif, intuition, un peu de sous-tension malgré tout. On recommande bien entendu de rester zen, hein, parce qu'on peut ressortir, bien entendu des choses fortes et de fortes émotions. Hein. Le 11 y confère une extraordinaire énergie en fait. Et il nous invite aussi à avoir une plus haute estime de soi et une considération de nous-mêmes. En professionnel, on a ce côté créatif qui peut... Hop, j'allume. Hein, ce côté créatif et intuitif qui va vous servir dans votre travail aussi. Vos idées vont être les bienvenues, bien sûr, mais attention quand même aux excès d'autoritarisme, comme l'on dit. En sentimental, on va vivre une relation, là, vraiment entière. Intense. Mais attention, son hypersensibilité peut nous jouer des tours. Hein. Si vous êtes en couple, eh ben, évidemment, on peut ressentir quelques petites tensions. Alors, le 11, il a bien entendu expression des traits positifs, négatifs, les deux ensemble, réunis. C'est-à-dire que soif de justice égocentrique, anticonformiste, rigide, il est vraiment puissant. Hein. Alors, la journée associée à notre mercredi, c'est Mercure, bien entendu, hein, notre planète. Communication, négociation. Alors, comme je disais, on est en 11, donc calme. On essaye de négocier et de communiquer calmement, même si on ne se laisse pas faire. Prise de décision, entretien, les échanges. Nouveau projet, hein, un mercredi. Couleur associée à notre mercredi, c'est le vert et le multicolore. Voilà, les amis. Allez, on va regarder tout de suite. Message, conseil, mise en garde de Monsieur Augure Blanc. Elle est tombée. Bah, écoutez, elle a voulu parler. Et c'est éclamer, oiseau dont l'aile ou la patte est cassée. Avec éclamer, vous pouvez rencontrer aujourd'hui sur votre route quelqu'un qui n'est pas bien, qui a besoin de paroles réconfortantes ou tout simplement d'un petit coup de pouce. Ça peut être aussi vous hein, qui avez besoin tout simplement d'un peu de soutien. Il ne faut aucune honte quelquefois à demander de l'aide. Hein. Aujourd'hui, on vous dit communiquer, échanger pour aller aider votre fardeau, justement, ou bien celui d'une autre personne en face de vous qui a peut-être simplement besoin de quelques mots réconfortants, tout simplement d'un petit coup de pouce. Et c'est valable également pour vous. Voilà les amis. Pour notre journée. Alors, on va regarder avec Monsieur 32. Pour notre mercredi 11 janvier. 11 janvier 2023. 11 janvier 2023. Eh bien, vous êtes là, ma consultante. Il y a quelque chose qui va aller très vite. Dans les 24 heures, 72 heures, des nouvelles qui arrivent, mais attention, des nouvelles qui vont vous contrarier, ma consultante. Hein. Ou en tout cas, pour une femme, des nouvelles qui viennent peut-être d'une femme brune, ou des nouvelles tout simplement pour vous, ma consultante, qui vont vous contrarier. Alors, elles vous viennent d'une femme qui ne vous apprécie pas, voilà, sachez-le, et qui arrive de l'étranger, du lointain, d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région. Ça peut être également des nouvelles qui vous arrivent assez vite d'une femme qui ne vous apprécie pas, qui vient peut-être aux nouvelles, qui habite loin, qui vient peut-être aux nouvelles tout simplement. Hein. Ça peut être également par rapport à vos projets. On voit très bien que vous allez devoir également vous déplacer où il y a un déplacement de prévu pour elle. Sachez que cette dame qui ne vous aime pas peut être blonde. Hein. Il peut aussi être question de petits déplacements pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Néanmoins, sachez qu'il y a quand même autour de ce déplacement une femme pas très sympathique qui peut peut-être rendre visite, qui va venir vous rendre visite ou rendre visite à votre sœur, à votre fille ou à votre meilleure amie. Ou vous, si vous avez les cheveux clairs. Bon. Oups, Monsieur Béline,
Monsieur Béline, déjà, il s'adresse à vous. Comme ça, ça c'est fait. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13. Hop, voilà, au dos. Nous avons votre fille, votre meilleure amie, votre sœur ou bien vous, si vous avez les cheveux clairs. Il y a une réussite, il y a un triomphe, il y a quelque chose de positif, très officiel, donc officiellement. Alors, un beau rendez-vous qui peut avoir lieu aussi avec un homme qui peut-être porte l'uniforme, peut-être un médecin, quelqu'un qui est juriste, quelqu'un qui présente bien. Ou alors votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou vous, si vous avez les cheveux clairs, avez une réussite par rapport à un entretien, un rendez-vous, un entretien professionnel peut-être. Également, quelque chose qui était en tout cas bloqué, on a le dessus, et c'est bien professionnel. Vous voyez, je disais un rendez-vous, il y a une réussite professionnelle sur un événement, sur quelque chose professionnellement qui était bloqué. Bon. En tout cas, c'est parfait, je vous le souhaite. Allez, on a ce petit déplacement que l'on retrouve, hein, un petit déplacement pas loin de chez vous. Et vous allez avoir des nouvelles, d'ailleurs, une confirmation par écrite, un mail, un recommandé. Quelque chose qui va vous perturber. Ce petit déplacement, il n'est peut-être pas très agréable, ou en tout cas, il vous perturbe. Alors, c'est peut-être en lien avec votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Ou ce petit déplacement est pour lui. Faites attention néanmoins, votre fils, peut-être qu'il y a un enfant là qui n'est pas bien. Il y a un certain contretemps, un retard aussi. Ce déplacement est peut-être contrarié, retardé. Vous pouvez peut-être pas aller voir votre fils tout de suite, ou bien c'est lui qui est simplement retardé. Il peut y avoir un contretemps sur du financier, sur de l'argent qui était peut-être prévu, attendu. Ce papier vous confirme peut-être un contretemps, un retard concernant le financier. Bon, on peut avoir eu ces nouvelles de cet homme, hein, une personne qui présente bien, ou tout simplement aussi des nouvelles d'argent pour votre chéri, quelqu'un qui est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, tout simplement. Ou bien tout simplement un problème, un partenariat peut-être, quelque chose avec votre fils, cet homme, peut-être des associés, un souci, un retard financier. On veut aller avoir des nouvelles, ou il va y avoir des nouvelles qui vont tomber à ce propos, d'ailleurs. Il est question de nouvelles là qui vont vous contrarier. C'est bien pour votre chéri, hein, ou pour votre homme, pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui a du caractère, hein, qui présente bien, qui s'habille bien, qui sait ce qu'il veut. Donc là, on a peut-être une histoire aussi d'association, d'associé, des nouvelles. Il y a beaucoup de personnages, hein, on est peut-être en train de vouloir mettre en place quelque chose. En tout cas, si c'est en lien aussi à une création d'entreprise, à quelque chose, il y a quand même des contrariétés au niveau papier, au niveau finance. Hein. Alors, peut-être que c'est cette dame qui bloque. On avait vu qu'il y avait des gens, hein, il y avait un petit souci. Donc, on a peut-être une contrariété à cause de cette femme. Par rapport à une signature, est-ce que c'est elle qui bloque la signature? Est-ce que vous allez avoir le dessus, il va réussir à signer cet homme? On peut être dans un jugement aussi, hein, qui finalement, c'est elle qui bloque au niveau finance, hein, tout simplement, pension alimentaire. Il est peut-être, votre homme, peut-être en jugement, en séparation, donc peut-être aussi de cette sorte. Hein. On voit en tout cas que cette dame de carreau autour de vous, il y a de la signature. En lien avec elle, peut-être. C'est bien pour vous, ma consultante. Hein. En tout cas, ou alors une femme proche de vous. Alors, on voit aussi un couple. Peut-être que vous avez des projets, mais on voit très bien qu'il y a un léger contretemps concernant ces projets qui sont dus aux finances. Financièrement, peut-être un prêt qui a du mal à arriver, une association de choses qui ont du mal à se faire, un problème peut-être avec vos enfants aussi, hein, financiers. C'est peut-être votre fils aussi qui a un problème aussi à gérer, hein, avec une femme pas bonne. Autour de vous, en tout cas, il y a une histoire d'argent, de nouvelles et de blocage. Alors, on va regarder au niveau association avant que je en remette une sur la dame de carreau et ce 8 de pique. Et on va voir aussi ce retard. Alors, nous avons, je viens de voir quand même qu'il y avait déjà trois valets.
hein, il me saute là comme ça. Les trois valets, il y a de la discussion, de la négociation. On a pu voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui en passe de se mettre en place. La signature est là, hein, mais il y a une contrariété et il y a un retard. 7, il y en a 1, 2, 2, 7, 8, 2, 9, un seul, 10, valet, on l'a fait, dame, 2, roi, as, 1. Alors, je vais en remettre une sur notre dame de carreau. Alors, notre dame de carreau. Notre tard, la contrariété et le 8. Notre dame de carreau, elle habite au loin, elle est à l'extérieur de chez vous, mais elle est en rapport à sa mise en place de choses. Hein. Et c'est quelqu'un qui est au lointain. Alors, ça concerne bien des très bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc, je pense que vous allez avoir le dessus. Hein. Ce 9 de cœur mange ce contretemps, j'ai envie de dire. C'est un face-à-face hein, qui va un petit peu vous perturber. Ah, c'est pour votre homme de cœur. Hein. C'est bien des projets qui sont à mettre en place hein, avec votre homme de cœur. J'ai l'impression qu'il y avait du contretemps par rapport à un événement extérieur, à une dame aussi, qui d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, ou tout simplement qui est dû à d'un événement extérieur à vous, hein, du lointain. Alors, peut-être aussi que je vois qu'il y a beaucoup de personnages, là. Il y a peut-être question de projet, hein. Je vais en mettre une sur le valet de trèfle qui me perturbe. C'est un domaine... Ah, ben, c'est ça. Il y a peut-être une création d'entreprise, une création familiale, de travail également. Hein, quelque chose qui doit se mettre en place au niveau finance. On voit très bien qu'il y a du déplacement du face-à-face qui est un peu contrariant. Au niveau financier, on voit très bien qu'il y a un souci aussi avec cause d'une dame. Alors, est-ce que c'est une banquière? Est-ce que c'est une personne en lien avec le finance qui bloque? En tout cas, il y a peut-être eu de l'angoisse. Il y a peut-être eu quelque chose, mais on voit que ça, le 9 de cœur, il le mange. Donc, les choses vont se faire hein, par rapport à peut-être une convocation, quelque chose qui était prévu, d'ailleurs une invitation. Les choses vont finir par s'arranger. Ça peut concerner aussi votre papa, bien entendu. Hein, c'est ce que aussi on peut voir. Mais je pense que c'est plutôt votre homme de cœur. Il est là, il vous accompagne en des projets. Alors, ça peut être aussi vos enfants qui sont concernés par une association de quelque chose. Alors, on voit très bien un déplacement pour votre fils. Hein. Votre meilleur ami ou votre frère. Donc, un déplacement avec quelqu'un peut-être qui va vous apporter son aide. Quoi qu'il en soit, on voit très bien qu'il y a une dame à l'extérieur, hein, une dame autour de... ou autour de cette personne, oui, effectivement. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être votre chéri, ça, plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Et est-ce que ce n'est pas une ex hein, qui tourne autour? En tout cas, dans son activité également, elle est là, elle est au lointain, mais j'ai l'impression qu'elle fiche peut-être la pagaille. Hein. Alors, c'est peut-être aussi votre chéri qui avait une activité. Et ben là, il se passe quelque chose avec une personne qui peut-être lui veut pas que du bien. Hein. On voit que vous allez avoir des courriers, des nouvelles, en tout cas, de cette personne, ou bien c'est encore la même personne, quelqu'un qui présente bien, qui s'habille bien. On voit aussi que c'est pour vous, là, quelque part, vous étiez peut-être en attente d'aller le voir, il y a quelque chose qui ne pouvait pas se faire, il y a un contretemps, mais les choses s'arrangent. En tout cas, s'il y avait un contretemps pour vous, ma consultante, les choses s'arrangent, et ça, vraiment, ce 9 de cœur mange ce 9 de carreau. On voit très bien qu'effectivement, il y a bien des nouvelles, hein, qui vous avaient perturbé, qui concernent votre chéri, donc, votre homme de cœur, ou aussi votre papa, pour certaines personnes. On voit très bien que ça peut concerner votre chérie, qui vous étiez perturbé peut-être par une situation très officielle d'ailleurs, hein, qui allait se mettre en place hein, par rapport aux financiers. Et on voit très bien d'ailleurs que ça vous avait contrarié, hein, ce face-à-face. Est-ce que vous voulez mettre en place quelque chose avec votre chérie dans le domaine financier? Et c'est peut-être ça aussi qui vous a largement perturbé. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi qui n'a pas de soucis financiers. Et ça vous perturbe également. Sans doute, hein. Peut-être qu'on vous le reproche. Hein. Bon, il est question de toute façon de signature concernant le financier, avec un face-à-face, certes, un petit peu qui vous a, qui vous fait peur, hein. Tout simplement. Je vais en remettre une sur le face-à-face. Hein. C'est peut-être une démarche officielle qui vous inquiète, hein. Ou pour vous, ou pour tout simplement votre chérie, ou même, j'ai le sentiment, vos enfants autour de vous. Hein. Ouais, ça concerne des papiers. Hein. Peut-être falloir se déplacer par rapport à quelque chose qui concerne les finances, qui vous a contrarié. Il va peut-être falloir se déplacer pour le régler. Bon,
beaucoup d'infos. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour notre mercredi. Mercredi 11 janvier 2023. Mercredi 11 janvier 2023. Mercredi 11. Bon, il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais ça vous travaille, hein. Ça vous perturbe. Hein. Alors, c'est avec les enfants, c'est quelque chose qui démarre. On va en discuter. Il est bien question de discussion, hein, sur quelque chose que vous êtes très, très attiré. Forcément, c'est vos enfants, bien entendu. Il y a de l'accusation, il y a des choses qui ne se passent pas très très bien, hein. Et on va acter. On l'a vu avec le jeu de 32, il y a quelque chose avec les enfants, avec le domaine financier, avec quelque chose qui vous perturbe, qu'il va falloir régler. Allez, hop, c'est parti. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Alors, on a du bonheur, on a de la joie qui arrive, les amis. Regardez ça, miroir magique, super protection. Bon, même s'il y a des moments un petit peu difficiles, on voit que les choses arrivent très belles. Alors, oh, regardez ça, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'émotionnel. On va signer, hein. On va acter quelque chose. Alors, il va y avoir quelque chose en lien avec le passé, ou tout simplement, il y a un retour de situation, là. Un retour d'événement, quelque chose de beau, en tout cas. Regardez ça. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous avez des intuitions, là. Hein, vous avez des rêves que vous allez mettre en place et vous allez retrouver la tranquillité, les amis. Alors, pour certains, c'est dans le domaine travail, activité. On décide quelque chose, on signe quelque chose. Pour d'autres, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Hein, parce que vous étiez... Il y a quelque chose qui vous minait. Hein, mais on l'a vu tout à l'heure, déjà. Il y a quelque chose qui vous travaillait. Et regardez ça. Il va y avoir un gros coup de chance. Pour certaines personnes, il y a peut-être dans le travail quelque chose qui vous perturbe. Hein. Regardez, vous avez un gros coup de chance qui arrive. Alors, un gros coup de chance qui arrive sur ces accusations, sur ces gens qui vous enquiquinent, j'ai envie de dire, que ce soit dans le travail professionnel ou dans la vie de tous les jours. Et regardez ça, belle opportunité. Beau changement de cap, les amis. Quelque chose va être décidé, va être officialisé, va être acté. Au pire, vous allez même... légaliser quelque chose, là. Hein. On a certainement un jugement aussi, peut-être, de tribunal. Hein. Il y a quelque chose... Ah, il y en a deux. Il y a quelque chose qui vous avait vraiment mis bas, perturbé. On en discute. Ça va être décidé, acté. De toute façon, on voit avec contrat, la signature et loi. Il y a peut-être même eu un jugement de tribunal. Tout à l'heure, j'avais des doutes avec le jeu de 32. Ça vous avait vraiment mis mal. Hein. Il va être temps d'en discuter. On en discute. Hein. Et regardez ça. Changement arrive. Changement est là, les amis. Alors, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentimental, beaucoup d'émotions sur quelque chose qui est signé, qui est acté. C'est peut-être enfin un événement du passé ou une situation qui revient. Bon, et c'est tant mieux, on va pouvoir se projeter. Vous aviez quelques intuitions, vous avez envie de retrouver votre tranquillité. Elle est là, elle arrive la tranquillité. Hein. On va pouvoir faire un grand travail sur soi-même. Pour certaines personnes, c'est peut-être en lien avec le travail. Quelque chose qui vous avait vraiment enfermé. On va la recouvrir après. Mais en tout cas, il y a un grand coup de chance qui se présente à vous. Vous avez eu l'opportunité de discuter. Mais on voit qu'on vous reproche quelque chose. Hein. On vous reproche certainement, bah, peut-être votre ouverture, votre changement, votre décision de vouloir faire quelque chose d'autre, tout simplement. Bon, bah, pour certains, il y a peut-être eu un jugement de tribunal, un jugement... on a peut-être emmené quelqu'un, on attendait aussi peut-être un jugement, hein, qui arrive, qui vous avait mis mal, mais de toute façon... Fallait discuter, hein. On en discute. Hein. Et hop, on va pouvoir l'avoir, ce changement. Il est là. Alors, on va recouvrir enfermement et échec, non, puisque elle est déjà derrière, il y en a deux. Et échec, on voit bien que vous allez discuter, hein, sur quelque chose qui vous avait vraiment mis mal. Hein. Ah ben, accusation. Allez, hop. Alors, ah, il peut y avoir un souci avec les enfants. Et l'accusation, il y a des rêves, mais regardez ça, on essaye de... Alors, il peut effectivement, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez décidé de vivre ensemble, c'est ce qu'on peut voir, hein, par rapport... Il peut y avoir un événement qui fait que
sans doute que les enfants vous le reprochent. Il peut y avoir aussi un événement, un jugement en lien avec les enfants également. Hein. Ça vous avait vraiment mis pas bien. Mais de toute façon, on voit que vous avez un gros coup de chance, que vous allez retrouver une tranquillité. On voit le changement, on voit l'opportunité qui est là. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'amour et émotionnellement, il y a quelque chose qui vous touche. Hein. Vous avez fait, si c'est dans le travail, il y a un changement, il y a l'ouverture. Sinon, vous faites un gros travail sur vous-même. Et on voit très bien ce changement, on voit très bien ce coup de chance. Bon. Alors, on va regarder avec Monsieur Béline pour notre mercredi 11. Mercredi 11 janvier. Mercredi 11 janvier. Bon, il y a quelque chose, il y a de la dispute, de la colère par rapport à votre changement. On l'a vu, on vient, oui, on vient de le voir, c'est reconfirmé par Monsieur Béline. Hein. Vous, ce que vous voulez dans votre changement, c'est avoir la paix. On voit qu'il va y avoir de la discussion vive dans le foyer, hein, dans la maison. Donc, mais de toute façon, regardez, vous allez finir par vous faire entendre. Hein, on va finir par vous écouter. Alors, vous allez fêter quelque chose. Il y a de l'invitation dans l'air. Vous allez fêter une très bonne nouvelle qui arrive. Oh, c'est pas beau, ça? Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter une excellente nouvelle qui va arriver, qui vous ouvre les portes, qui va vous permettre... ben, voilà, c'est les clés. On avance, on ouvre une porte, on démarre quelque chose de beau. Là, on est sur un nouveau départ. Il y a une belle invitation également par rapport à des nouvelles magiques, merveilleuses qui vont arriver pour démarrer quelque chose de beau. Très beau tirage, Monsieur Béline. Allez, on termine avec une petite carte pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je décide que je ne subirai pas cette journée. Lorsque nous sommes capables de nous exprimer à haute voix et avec conviction, nous dirigeons notre pensée vers ce que nous voulons. Cela ne veut pas dire que cela fonctionne à chaque fois, mais bien plus que si nous continuons à agir par automatisme. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci de votre soutien, de votre fidélité. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous. À demain.